Allez, bonjour à tous, c'est Matt du 29. On se retrouve sur FS22. On est sur la colline, donc les collines de la Toscane. On va entamer les semis. Donc là, on va semer. Il y a à semer le blé sur le 55-56 et de l'orge sur le 72 et 60, c'est ça, 72 et 73. Donc l'orge, 72-73, c'est les champs qui sont en haut. Qui sont sur la route qui va entre la ferme un peu après la ferme si on va sur la carte mais on le verra c'est ici c'est ces deux-ci donc ils sont quand on quitte la ferme par en haut elles sont juste après ici là donc c'est un peu au-dessus bien je vais faire les 55-56. Et après tout ça, on fera. Je pense que ce qu'on va faire. Donc après que j'ai fait ceci là, on repeindra par la route là et on fera les 72-73 à semer. Après il restera les plombages à faire. Et une fois que c'est plombé, il reste à passer du temps. Et là on a quasiment 3 mois à passer, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier. Parce que là, en octobre, on est quasiment en 7, donc on est quasiment à la fin du. On est un peu à l'avant du mi-mois, parce que de manière, nous, c'est 15 jours. Donc, on va y aller. là, je suis comme ça. J'active. Et puis on va faire les allers-retours dans le champ. Et puis après, une fois que ça sera fait, qu'on aura entamé, qu'on aura fini cela, à la limite, alors si j'ai le temps d'arriver jusqu'en février, parce qu'en février c'est des semis de coton, et ben dans ces cas-là, on aura peut-être le temps de faire autrement. Hop, là, je vais arrêter là. Un petit demi-tour. Et je vais repartir plus bas. Par rapport à ça, donc on va partir, aller à peu près là. Hop, c'est parti, on y va. Donc on va essayer de finir de faire ça au moins ce soir. Bah aujourd'hui. donc si j'ai le temps pour la semaine prochaine de passer jusqu'au mois de février, on le fait. Sinon, ben, il faudra faire autrement. Hop, allez. Hop, le petit demi-tour. Donc, on va faire comme ça. Demande avancera sur Farming 23 aussi. Je suis pas en train d'oublier un truc là, si je suis pas assez collé. Allez, on va redescendre. C'est bon. Non, ça va pas. Pourquoi il part de travers? Là, je vais essayer de rattraper un truc droit quand même, ça serait pas mal.
Et après on rattrapera au fur et à mesure. Bon, là, tenir, hop. Donc, bien sûr, ce moment-là, il n'y a pas d'engrais. Après ça, eh ben, il faut passer l'engrais. Je sais pas, on verra bien ce qu'on aura le temps de faire ou pas. Quand il faut faire le passage du temps, j'essaie de en vidéo à la limite, ça serait bien de faire tout ce qui est plombage et engrais aussi. Et dès qu'on a fait, donc là, si on n'a pas fini les semis, moi je les terminerai pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ce qu'on fera, ça sera les engrais et les plombages, ou plombage d'abord et engrais après. Allez, on va essayer de faire des trucs droits quand même. Mais non, je t'ai dit d'avancer. En même temps, si tu appuies pas correctement sur le bouton, c'est normal. Hein. Allez, hop. On baisse et on avance. Hop, allez. Oh, il y a une zone morte qui est pas bien activée là. Il y a un truc qui va pas au niveau de farming, ça c'est sûr. Parce que la zone mort du volant, elle est pas bonne. Tac. Non. Non, on ne veut pas. Maintenant, je vais avancer. Ouais. Non, c'est bon. Et après, on s'arrangera pour faire le détourage du champ. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, on fait tous les semis en vidéo. Ben, du moins, une bonne partie des semis. On essaie de faire ce qu'il faut en semis. Et après, je passerai les semis. Je les ferai. Je les finirai pour la semaine prochaine. Et on fera le plombage la semaine prochaine. Et donc après le plombage de la semaine prochaine, le plombage je finirai. Parce qu'il y aura quand même 4 champs à faire. Et puis après on se chargera de faire les engrais. Et une fois que les engrais seront faits, ben, il ne restera plus qu'à passer le temps. Et donc là, par contre, passer le temps, ça sera fait hors vidéo, hein, tout simplement. Parce que bon, c'est pas fantastique à montrer. Hop. Allez, on va faire ça comme ça. On va se mettre sur la ligne d'à côté. Par contre, je vais devoir me mettre un peu plus bas. Et je pense qu'ici, ça serait pas mal. Allez, hop, on a quasiment fini le champ. Il ne nous restera plus que le 56 à faire en blé. Et après, 72 et 73 en orge. Et ici, il y a un carambolage en plein milieu de la route. Là. Je pense qu'il y a une voiture qui ne peut pas tourner parce que l'autre s'est trop inséré et l'autre ne peut pas avancer parce que l'autre est devant et en train de tourner. Voilà. Et donc là, on part sur un détourage.
Hop. Par contre. Dire qu'il faut que je termine. Ce serait bien de terminer tout en haut. C'est-à-dire que il faudrait que je commence à faire un détourage par là-haut. Maintenant, je crois que l'entrée du champ elle est là. Pas dit. Allez. On va déjà faire un premier détourage pour contrer ce qui rend trop. Et après, on fera le nécessaire. Faut juste mettre à quelques mètres du bord et puis c'est bon. Que quand on fasse le deuxième détourage, on finisse tout. Non, ça va être bien comme ça. Et donc après, il nous restera juste à faire le deuxième détourage pour être tranquille. Hop. Donc, toujours la fin du donc fin du deuxième fin du premier détourage et puis après on fait le deuxième. Et là, on fait tout. Normalement, si je regarde, ouais, le deuxième détourage, il va être fini, je pense, si on va finir le champ. Et donc là, on va dire qu'on termine là. Et normalement, si je prends un millier de ça, logiquement, je sème tout. L'entrée n'est pas là, par hasard. Moi, tant pis. Bien, ça, la prochaine fois, je m'arrangerai pour terminer là. Parce que là on a accès à l'autre champ d'à côté. Bon après c'est pas grave. Après on pourrait redessiner les entrées des champs. Hein. Enfin de nos champs. Et normalement là je termine au moins ce champ-là. On va pouvoir commencer le 56. Le terminer ça reste à voir. Soulever le semoir quand même. Hop, on va se caler correctement là.
Ouais, mais si tu tournes dans l'autre sens, ça va pas faire non plus. Le tout c'est de pas toucher, de pas foncer dans un arc, hein, ça sera bien. Hop. Je pense qu'avec ce qui reste dans le saumon, je peux déjà faire sur le 56 et je pense que j'aurais même pas besoin de remplir pour faire les autres. Par contre, je pense que je vais aller quand même par là. Bon, allez, ça c'est fait. De manière. On va attendre qu'il soit replié et on va repartir dans l'autre sens sur l'autre champ. Un petit coup de gyro pendant 10 mètres de route. Voilà. Et donc on va se faire à partir dans. Partie droite, donc là du coup maintenant on redéploie. Et à mon avis il faut que je me mette là. Ouais, on va faire ça. Juste les petits premiers trucs là, et puis après on va repartir dans l'autre sens. Je me demande même si je vais pas faire autrement. Non, pas. Allez. Il a du mal à rester droit ce mois là, c'est horrible. Hop. Allez, on va faire de là. On va avancer. Et là, je vais commencer à faire les. Maintenant, au fur et à mesure, on va se décaler. Et là, on est arrivé là. Comme ça là. Et puis on va repartir dans l'autre sens. Allez, zou. On finit de semer tout ça. Ben, on sème au moins ce champ-là si on peut aujourd'hui. Et moi, de mon côté, je finirai donc les semis. Et puis comme ça, la semaine prochaine, on fera les plombages des champs. Hop.
Oui, c'est moi qui veux. Même si je vais droit, il va pas droit en marche arrière. Je suis obligé de contrer dans un sens ou dans l'autre. Allez, zou. Hop, stop. Est-ce que je vais... Je vais peut-être faire un truc. On va essayer de rattraper sur une grande ligne. C'était où qu'on était? C'était là, je pense. Hop. Oui. Allez, vas-y. Non, mais il y a un problème avec le volant, soit il est décalé, soit il va pas. Non, il faudra que je vois son. Soit c'est dans le farming qu'il est pas bien calibré. Au bout d'un moment, ça sera bon, mais allez. Donc pour l'instant, on passera pas le temps. Je passerai le temps à partir de dans 2 semaines, quand on aura fait les engrais et les plombages. C'est-à-dire que la prochaine vidéo, on fait les plombages. Et celle d'après, on fera les engrais. Et après celle des engrais, on fera le passage des 3 mois, de mois de novembre, décembre, janvier. Pour se retrouver en vidéo sur le mois de février pour planter notre coton. Et là j'ai un problème de semoir qui veut pas aller par là, je vais aller hop. Oui, mais attends, là c'est pas assumé mon gars. Ah si, ah si. Ici, on voit la texture du semis. Donc, je vais me coller le plus possible à la ligne précédente quand même. Pour pas que ça se fasse de trous. Pour l'instant, je suis pas si mal que ça. Et donc, une fois qu'on aura fait toutes les allers-retours, après on fera... Le détourage, on commencera par là, on fera comme ça un premier détourage là, un deuxième détourage, et après, une fois qu'on sera arrivé là, on repartira par là, on ira jusqu'au 72 et on fera les deux champs en même temps. 72 et 73 en même temps parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Et vu que c'est la même chose qui va dedans, autant en profiter. Et là, je vais devoir m'arrêter pour aller faire un demi-tour. Ouais, bah, je crois que je vais aller. Je vais retourner là-bas. C'est ça le plus chiant, c'est de trouver les. D'arriver à faire les lignes correctement.
C'est sûr que t'aurais pas pu aller jusqu'à là-bas. Non, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Mais le seul problème, c'est qu'après. Quoique. Allez, on va se décaler un petit peu. Et après, on va essayer d'aller tout droit. Enfin, de faire une. Non, bah non. Non, il faut que j'aille. Il faut que je fasse un. Il faut que je parte droit et que je fasse une ligne à partir de là où j'ai de la rangée précédente. Par contre là je vois rien. Je sais pas qu'est-ce qui était semé ni rien. Je pense que là, si ça c'est semé. C'est plus foncé. Donc on va arriver là. Le semoir qui a du mal à décoller. Mais je pense qu'on doit être là. C'est ça. Allez! C'est pas grave. Tout va bien. On se calme. Tout va bien se passer. Hop. Allez. On va juste décaler d'un rang. Et après, on va pouvoir faire les allers-retours en partant d'un bout à l'autre. Et je pense que je vais arrêter là. Ben, je vais arrêter l'épisode surtout. Non, ça marche avant. Et ben, on va refaire une ligne droite, mais je pense que je vais pas tarder à arrêter. Du coup, il me restera à finir donc ce champ 56 en blé, faire les 72 et 73 en orge. La semaine prochaine, on fait les plombages des deux champs. Et la semaine d'après, on fera les engrais. Et une fois que les engrais sont faits, et ben c'est passage du temps jusqu'au mois de février pour faire les semis de col de coton. Matt, je crois que tu t'es planté de ben, tu t'es écarté un peu trop. À mon avis, la ligne, elle doit être celle-ci plutôt. Hop, allez. Hop, du coup, moi je vous dis rendez-vous demain pour Farming Simulator 23, pour la suite de la carrière. Sinon, on se retrouve aussi le samedi soir à partir de 20h30 sur Twitch en live sur la Coronella FS22. Et sinon, le dimanche après-midi à partir de 14h30, toujours sur Twitch. Et cette fois-ci sur du construction. Donc on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao!